Et salut à tous, ici Fat Jambon pour Lively Gaming et aujourd'hui je suis avec Akenar. Et salut Fat Jambon. Et tu nous as préparé un petit jeu que t'as sorti derrière les fagots, ou plutôt derrière la poussière on pourrait dire même. Exactement. C'est un petit indie comme on les aime, ici à Lively Gaming. Un petit indie et aujourd'hui c'est Dustforce. Yes. Alors Dustforce, développé par Hitbox. Et il est sorti en... Et il est sorti le 17 janvier 2012, donc il est très récent. Et c'est un petit jeu en 2D, 2D scrolling, c'est ça hein? Exactement. Petit jeu en 2D où le but est de traverser les niveaux en nettoyant le sol, les murs, les plafonds et tout. Notre but... Si on avait inventé un jeu sur Swiffer. Voilà, notre but est de balayer, retirer la poussière, les déchets, les déchets toxiques, tout ça. Pour tous ceux qui auraient détesté faire les corvées, hein, voilà, voilà. Servi, c'est bon. Ça, au moins, bon. Donc voilà, un petit jeu bien sympa qui mérite d'être présenté. Tout à fait. Et d'être mis sous les projecteurs. Alors de ce que j'ai cru comprendre, niveau difficulté, côté indie, puisqu'on commence à avoir des références dans les indépendants, il se rapproche pas mal des jeux du type Super Meat Boy. Oui, exactement. Donc on a moyen de rager. Il y a moyen de rager, mais voilà, en fait, ce jeu est pour une catégorie de joueurs, je pense. C'est-à-dire qu'il est bien, il est beau, c'est un joli indie en 2D et tout. Maintenant, il n'est pas ouvert à tout le monde, je pense. C'est-à-dire que les gens qui sont pas patients, les gens qui vont, passez votre chemin. Maintenant, il a sa place, je pense, sur votre disque dur à côté des Super Meat Boy ou des trucs comme ça. Exactement. Ouais. Si ça vous a plu, je pense que vous trouverez votre bonheur là-dessus. Alors, donc, ce petit test, donc, on va vous le faire en deux parties. En fait, il y a donc un mode solo où on traverse les niveaux au fur et à mesure. Donc, on va vous expliquer le but du jeu. Et il y a un mode multijoueur, mais pour l'instant, il est uniquement en local. En fait, c'est la petite porte qui est en haut. Voilà, il est uniquement en local. Ils n'ont pas réussi. Enfin, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont toujours pas développé le mode multijoueur. En fait, le mode multijoueur online. Ouais, online, c'est ça exactement. Donc dans. C'est prévu. Hein. Oui. D'ailleurs, tu sors de là parce que tu fais un avant-goût aux téléspectateurs. C'est pas bien. On n'a pas dit qu'on commençait par multijoueur. Vous avez envie. Hein. On n'y est jamais allé non plus. Voilà. C'était une découverte. On va au Nexus. C'est ça. Protos un peu. Donc le multijoueur jusqu'à 4. Jusqu'à 4 en local quand même. On vous expliquera en quoi ça consiste plus tard. Alors, est-ce que tu veux bien aller dans le premier niveau? Alors du coup, le premier niveau se trouvait ici. Désolé, je viens de tester le jeu, du coup je vous épargne le premier niveau. Voilà. Donc on va aller vous montrer le deuxième niveau. Enfin ça c'était le premier plutôt, voilà. Donc vous pouvez choisir, vous rentrez dans la porte. Oui. Puis vous pouvez choisir... Alors il y a 4 personnages. Alors il y a... Le bleu de travail. Voilà, exactement. le bleu de Team Fortress qui a son balai, qui a un balai à paille. Voilà, le balai classique. Ensuite, il y a les rouges. Donc le rouge qui a un balai à chiottes, à brosse. Oui. Un peu. Ouais. Ensuite, on a la pom-pom girl parce qu'elle nettoie tout avec des pompons. C'est chiffon à poussière. Voilà. Ouais. Et à la fin, on a le papy qui, étrangement, est le plus avancé technologiquement vu qu'il sort son aspirateur de la mortitude. Exactement. Voilà. Et vous remarquerez que les hommes ont des nez rouges et les femmes ont les yeux rouges. Alors, c'est pas des yeux, c'est des pommettes. Ah oui, c'est vrai, c'est un peu basse. Donc en gros, ça veut dire qu'on a des pochetrons et qu'on boit, hein, c'est ça. D'accord. Ok, alors bon. Tu choisis donc le blue. Exactement. Alors, je vais te laisser expliquer rapidement comment fonctionne le jeu. Tout à fait. Alors, il est jouable donc au clavier ou à la manette. Alors le but, c'est de nettoyer le niveau. Donc là, dans ce niveau-là, il faut nettoyer les feuilles. Qu'est-ce qu'on a de disposition? Donc un balai, et pour avancer, il faut donc, utiliser les touches au sauter et se baisser. Par exemple, quand il arrive à la fin, là, je me suis trompé de touche, je comprenais pas. Donc il allait super vite, j'ai pas eu le temps d'expliquer, j'ai déjà fini le niveau. Donc, je vais essayer de voir si je pouvais quand même faire le S, moi j'en ai fait un des deux. Voilà. Et donc en fait, comment dire? Je ne trouve pas mes mots aujourd'hui. Je vais y aller doucement et tu vas pouvoir parler dessus. Du coup. Voilà, exactement. Donc en fait. Donc on a des petites feuilles là. On a des petites feuilles, donc quand on passe dessus, on les balaye automatiquement. Ce qui nous rapporte des petits points, on peut le voir en bas à gauche, qui nous servira plus tard pour une barre de combo. Et ça fait des combos. Voilà, donc c'est comment. Maintenant, qu'est-ce qu'on a de disposition? Donc c'est 2 attaques avec le balai. Donc une attaque légère, qu'on peut répéter souvent, et une attaque lourde. puissante. Voilà, comme ça. Voilà. Oh, mais un gros coup. Alors le principe, voilà. Donc ces attaques-là, elles nous servent par exemple à rebondir en fait sur des ennemis dans l'air. C'est-à-dire que faudrait que tu ailles dans un autre niveau. Je vais vous montrer ça. Voilà. Et quand on saute dans l'air en fait et qu'on tape un ennemi, on peut refaire un saut. C'est-à-dire que dans l'air on peut faire un double saut, mais si après avoir fait un double saut on tape un ennemi, on peut ressauter derrière. Et ça nous permet d'aller super loin. Il y a des niveaux qui sont passables uniquement comme ça en fait. Grave. Voilà. Et donc on a vu donc cette barre de combo qui se charge, et quand elle est chargée à fond, on peut utiliser une super méga heavy attack qu'on utilise en appuyant sur les touches light et heavy en même temps. Exactement. Et en fait il attaque tous les monstres d'un coup. Il faudrait que tu nous le montres comme ça. Eh bien on est parti. Alors non, ça, je me suis tombé de touche. Voilà. Donc là on va vous montrer le deuxième. Je vais peut-être vous montrer un autre personnage. Tout à fait. Moi j'ai envie de tester les pompons. Voilà. Ça me paraît étrange de jouer avec des pompons. Elle est toute petite, c'est un voilà. Hobbit. Donc on est dans un autre niveau, donc on peut grimper pendant quelques temps, on peut s'accrocher au mur. Et voilà, en fait les touches sont assez simples, il n'y a pas grand chose à faire. Après, il y a une certaine prise en main à avoir au niveau de la finesse. Si vous avez pu le voir, il y a une note de finesse à la fin, c'est-à-dire qu'il faut aller assez vite. Donc, en fait, il y a deux notes à la fin. Il y a la note... Vous êtes regardé par Super Mamie qui vous demande de bien faire le boulot. C'est ça, parce qu'elle n'est pas là, à mon avis, c'est Super Mamie, notre boss. Donc en fait, il y a la note finesse, donc c'est finir le niveau le plus rapidement possible sans s'arrêter. Oui, tout à fait. Et la deuxième note, c'est tout finir et tout ramasser. Exactement. Donc tout ramasser. Il ne l'aura pas par exemple parce qu'il n'a pas tout ramassé. Donc vous voyez, double saut. On peut grimper légèrement au mur. C'est un peu un Matrix Boy, Matrix Girl. Voilà, Matrix Girl, c'est une petite Trinity. Voilà, donc là, vous pouvez voir que je commence à une espèce d'aura violette. Voilà. Vous voyez sa barre qui clignote, ça veut dire qu'elle a son coup spécial. J'ai le nez qui me gratte. Alors on va essayer de le faire le coup spécial et on va voir ce que ça donne. Ouais, et alors je crois que je vais pouvoir vous montrer. Je vais faire ici. Bah attaque tous les ennemis en même temps. Et voilà, défoncé. C'est assez sympa. C'est assez pratique aussi. Et voilà. Donc clairement ça rock pas mal. Alors niveau graphique, moi je suis comblé, je dois avouer. J'avais juste vu les petites vidéos comme ça et je m'attendais pas à une jouabilité aussi fluide avec des graphismes de ce type là. Enfin, c'est des rendus vraiment jolis je trouve, et qui sortent un peu de l'ordinaire. Ils ont joué sur le côté 2D, mais même sur le traitement on va dire. Aujourd'hui il y a pas mal de... Oula, il y a un gros ennemi là. Alors là c'est la première fois que... Ouh putain. C'est vrai qu'aujourd'hui les jeux... Il y a deux types de jeux quoi. Il y a les indies et les gros blockbusters en fait. C'est ça ouais. Comme le cinéma, t'as les blockbusters et les cinémas d'auteur. Touche pas toi. Et bah, nous les indies on les aime assez puisque voilà, de temps en temps c'est sympa de jouer à des petits jeux comme milieu. Ça. Là tu peux utiliser ton master combo et bim. Il y a même un super slow-mo. Un petit slow motion. Voilà, génial. Oh yeah. Oh l'ours il était fatigué, il s'endort. Il s'est endormi. Voilà. Vous voyez qu'en finesse j'étais un petit peu super malade. C'est ça, parce qu'il est allé trop lentement. Enfin, trop lentement, il a pas swifté bien sur les collines. Swifté bien sur les collines. Alors, surtout qu'en plus, à mon avis, il faut avoir une sorte de trajectoire après. Il faut connaître le niveau, parce que là, par exemple, moi, je t'ai paumé. On peut pas réussir un SS la première fois, je pense. C'est chaud. Vraiment très très bon, à mon avis. Voilà. Donc là, ça m'a débloqué quelque chose ou pas? Non. Faut que je finisse? Il faut... C'est sûr? Bien, je crois. Tiens, laisse-moi la manette, je vais voir si je peux essayer de faire un master. Attends, on va essayer de ne pas s'emmêler dans les câbles. Merde, je peux pas la passer en dessous? Non, ça va aller. Donc, tu veux nous montrer un autre perso? Alors, Papy, on va montrer. On va voir Papy. Allez, avec l'aspirateur donc. Donc Papy peut nous envoyer du lourd. Je ne sais pas. C'est vrai que le jeu... Toi tu prends pas tout? Ah parce que en fait on part par en bas. D'accord. Donc je ne connais pas ce niveau. J'adore comment il fait. Et vas-y que je te défonce la tête en sautant comme ça. Alors l'aspirateur c'est quoi? C'est un Dyson? Dyson. L'aspirateur qui ne perd pas l'aspiration. Exactement. Non mais c'est trop ça. Ah mais en fait c'est un peu les nettoyeurs de l'extrême en mode Dragon Ball Z. Il n'y a pas un dessin animé avec des mecs Non. Non. Ouais, peut-être pas, dites-le nous si vous connaissez un dessin animé où il y a des gars qui nettoient. Un anime de nettoyeurs. parce que ce n'est pas mon cas, moi je ne connais pas. Voilà. Bon alors, du coup, je suppute qu'on peut dire que c'est l'automne. Voilà. La couleur des feuilles. En fait, voilà, il y a, je pense, 4 sortes de niveaux, puisque dans l'intro, hein, tout à fait, vous avez vu, il y avait donc ces 4 personnages qu'on peut jouer dans la campagne, mais aussi 4 autres personnages, pardon, adverses. Alors, les personnages adverses, pendant que tu viens de te faire écraser 2 fois. Ah, tu as perdu ton combo. Non, tu l'as utilisé. Non, j'ai utilisé pour le tuer. Et donc on parlait des personnages. Dans les personnages qu'il y a adverses, on a vu qu'il y avait en gros 4 types. Donc il y a Mademoiselle qui balance des feuilles partout, qu'on rencontre en ce moment en fait, on va dire. Il y a un monsieur qui balance de la poussière dégueulasse un peu partout. Il y en a un autre qui met des déchets, donc un peu un gros crado. Et sinon, il y a le dernier, Monsieur Toxique, qui envoie du radioactif, de l'acide, des trucs dégueux. Enfin, des trucs verts, voilà, un peu plus sains. Oui, tout à fait. Voilà. T'as encore oublié le truc, mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, c'est sûr, j'aurais pas le S, il est trop dur ce niveau. Et c'est que le deuxième niveau. C'est que le deuxième niveau. C'est parce que voilà, faut prendre le jeu en main. C'est ça. Et comme c'est difficile de commenter et de jouer en même temps, n'est-ce pas, Marcus? Tu se reconnaîtras si on le voit. Et voilà, on termine le niveau avec. Voilà, d'ailleurs on se rend compte qu'on dit souvent voilà quand on se met à jouer. Oui, parce qu'on a des mots, on sait pas quoi dire. Voilà. Je suis pire que Fat Jambon, de toute façon on le sait hein. Bon, il va falloir quand même essayer de le passer ce niveau. Oui, ou alors on va tester le multijoueur. Ah, tout à fait. Montrer à nos. Tout à fait. Alors du coup, je vais nous renvoyer au niveau du menu. D'ailleurs, je vais vous faire une petite présentation du menu au passage. Tout à fait. Qu'on n'a pas fait. Donc c'est assez drôle parce qu'on se balade dans un univers et il y a des portes et c'est derrière ces portes que se cachent les niveaux. Et alors je sais pas si vous avez vu, moi c'est une petite appréciation personnelle mais j'adore quand même la profondeur derrière qui est assez jolie. Bon, alors tout ce qui est... Enfin il y a en gros il y a 3 plans à peu près si je vois bien. Ça reste vachement... comment dire, vachement plat, vachement papier on va dire, comme dans un Sonic ou un truc comme ça à l'époque. Mais pourtant, il y a derrière un petit décor sur l'opacité, super joli et tout, c'est super cool. C'est sympa quoi. Alors le multijoueur, donc c'est la porte de droite. Alors du coup, je voulais juste vous montrer au passage un petit truc assez sympa. Moi, je suis fan de cette station de travail, j'ai envie de me faire la même. Ouais, mais grave, moi aussi, je veux pareil. Les petites enceintes qui sortent, les 2 gros écrans. On me demande ce que c'est sur le dessus. Voilà, me dépoussiérer un petit peu tout ça. Sur le dessus, bonne question. Alors, voilà. En gros, il y a une station de montage, tout à fait, de level editing. Exactement, donc qui est assez joli. J'adore quand même. Et donc c'est pour bientôt. Alors ça c'est l'ouverture de niveau, on va dire. Vous pouvez voir en haut à droite là qu'il y a un petit, une petite clé qui vole. Il y en a une aussi à gauche. Si je me trompe. Et pour y accéder, en fait, il faut soit prendre ces clés là, soit faire un SS, donc les 2 meilleures notes au niveau, pour avoir une clé dans sa poche à la fin du niveau. Voilà. Bon, et eh bien, donc pour ça, on est bon. Donc, allons-y dans la porte du multijoueur. Et bah ouais, on est parti. Alors ça, c'était le tutoriel au centre, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Le tutoriel donc, qui apprend en gros les bases des mouvements. Et... Alors, le multijoueur, en quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste, regardez, je suis apparu, moi je suis Monsieur Poussière. Ah mais merde, je viens de te péter la gueule. Ça. Donc en fait... Le but de jeu, c'est de foutre de la poussière partout, pour moi. Et alors, pour l'ennemi, il triche. Hop, et pour l'ennemi, c'est, enfin pour l'ennemi. Moi, je suis l'ennemi en fait. Je mets de la poussière partout. Et pour donc Fat Jambon, il doit nettoyer, donc courir après moi. Je trouve ça assez drôle. Il faut savoir que ce jeu est jouable à 4 au maximum, donc faire un 2 contre 2. Donc ça doit être super drôle, je pense. Mais merde. Voilà. On peut pas te buter en plus. Non, non, non. Alors, ah, t'es juste relou à choix, quoi. Je sais pas quand est-ce que ça se termine, d'ailleurs. Ah si, il y a marqué 1 minute, je crois. Ah bon? Ah non, Nexus. D'accord. Donc je vais fuir, voilà. Ah. Et essayer de m'attraper. Il s'en va. Mais la poussière partout. Mange. Oh, bah, je suis remonté. Il se bat. Là, il y a une porte. Et... King of the Hill. Oh. Alors là, on peut changer de personnage ici. Alors. Donc moi je vais prendre Monsieur Déchet. Voilà. On peut pas jouer contre l'ordi, mais dommage. Ouais, c'est dommage. Je vais prendre Monsieur Déchet. Player 3, Player 4. Ouais, donc vous voyez là, on peut jouer à 4. Moi je vais prendre Monsieur Machin. Et non, on choisit un autre niveau. Changer de monde. Qu'est-ce qui te tente? Compression, elle est drôle, le violet là. Compression, attention, voilà. Tron. c'est parti, ouais. Alors là, ah, t'en vas vraiment des trucs dégueulasses, toi. Je commence, j'ai déjà mis de la chose. T'as déjà la moitié, c'est horrible. C'est ça. Alors, comment on marque des points? Parce qu'en haut, il y a un score, apparemment. Alors, moi, j'ai un sac rempli de déchets et... En fait, j'ai un sac poubelle dans les mains. Et t'en fous partout? Oui. Alors, je trouve ça un peu dommage qu'on puisse pas s'affronter vraiment. Bah oui, comment, en fait? Parce qu'on peut se taper. Mais comment on marque des points? Donc on découvre le mode multi avec vous. Exactement. Et... Non, laisse-moi! Oh là, t'as nettoyé plein de trucs du coup avec ton bonus. Tiens, mange ça, prends des petites... viens prendre ta taloche, toi. Mais non! Prends un coup de tatane. Aïe. Tiens. Aïe, aïe, tiens, aïe, aïe, aïe. Mange. Donc, il faut qu'on fasse un test de jeu à 4, je pense. Que il faut qu'on se trouve deux personnes là pour s'amuser. C'est très drôle. Allez, reviens là, toi. Viens manger ça, toi. Non. Alors, c'est horrible parce qu'en fait, moi je trouve super compliqué de prendre tout ce qui est sur le dessus, tout ce qui est sur le haut des. Alors, est-ce que c'est plus difficile pour toi qui dois ramasser? Ah, je pense quand même parce que toi tu mets et c'est. Au final, j'ai aucun moyen de lutter quoi. Je dois juste. C'est comme si je défendais quoi. Mange ça. Comment ça se passe du coup? Parce qu'il n'y a pas de timer, il n'y a rien. Alors je pense que le, ça doit être une sorte de mode bêta hein, à mon avis, puisqu'il ne doit pas être fini. Ouais. Vu qu'en même temps il est tué en local, bon, c'est bizarre. Aïe. Oula. Ah oui, du coup le mode combo il défait plein de feuilles. Oula. T'as mis un point? Ah. Ah mais regarde, il y a des trucs qui s'allument là. Ah c'est ça en fait. Il faut... j'ai pas compris. Alors tu vois les trucs qui s'allument en bleu là? Vas-y, tape dedans. Hop, et voilà, tu marques un point. D'accord. Va savoir pourquoi. En fait, c'est au premier arrivé. Et... Non. Tiens, mange. Je me suis fait les forcer. Voilà. Alors voilà, en fait, les feuilles, c'est un... Le but, c'est de mettre des feuilles pour avoir le combo le plus vite possible. Ouais, bah, ça, j'ai compris. Et pouvoir éjecter l'autre. Et pendant ce temps-là, faut taper sur le... Aïe. Non, non, non. Donc voilà, on se défonce la gueule pour taper le champignon. C'est moi qui l'aurais. Je sais même pas ce que c'est. On est en train de défoncer nos manettes. Voilà, donc ouais, jouer à la manette, je pense le mieux, c'est jouer à la manette hein, dans le jeu. Je pense que vous imaginez à 4 sur un clavier. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Non. Merde. Allez, 2-4. J'arrive pas encore à monter. Allez, merde. Viens par là. Aïe. Tiens, mange. Donc voilà, on vient de comprendre le jeu, le principe du jeu, et je trouve ça génial. On s'éclate la gueule. Barre-toi. Non, tiens, ça pour moi. Donc là, je prends un super cher à la tâche. Donc vous remarquez que moi j'ai un sac en papier sur la tête. Et un sac poubelle dans les mains, je trouve que le caractère design est assez drôle. C'est tout simple et ça marche. Tiens, viens me chercher là-haut. Aïe. Ah. Mais c'est pas vrai. Non, il m'a fait tomber. Tu vas rentrer pas au paradis. Swifter. Putain, on peut reprendre, goûter avec Dyson. Il y a une espèce de mélange de Super Smash Bros. Mais ah, mon Dieu, c'est génial. On se... Donc voilà. Et oui. Et je vais la voir. Mais non. J'étais à deux doigts de la voir. Bon bref. Oh putain. C'est bon. Ah mais il est revenu bleu le truc. Putain. Ah, c'est bien fort d'art, hein. Franchement, je pense qu'à 4, c'est juste énorme. Et non. Oh non, t'as gagné. Ouais. Voilà, donc c'était en 5 points. Ah, je savais pas ça. Et 4 minutes, moi, je savais pas, donc on vient de gagner 5 points, c'était serré. C'était serré. C'était joli. C'était super. Et je pense qu'à 4, ça doit être génial. Ça doit être plié. Il doit y avoir des coups. Alors, en plus, la map était petite, donc on a pris une map qui était bien. Je propose de revenir sur le menu. Tout à fait. Alors, tout à fait. Parfait, voilà. Alors c'est parti. Ah mais en fait ça c'est pour choisir. Pour comprendre aussi. Et pour comprendre. Oui voilà. Tu peux te foutre sur la gueule pendant longtemps. Oui. Alors c'était donc Dustforce. Dustforce, petit bilan. Moi, je suis assez conquis, je dois dire, surtout par le mode multijoueur. Je m'attendais pas à ça, surtout sur un jeu comme ça. Voilà. Et franchement, bon, alors gameplay facile, compliqué. Gameplay à la fois facile, simple et compliqué. En même temps, voilà, l'absurde révélateur. Oui, non, mais c'est vrai. Bon, vraiment, en gros, 3 boutons, donc saut, frapper, frapper plus fort et dash. Donc courir, et on peut courir un peu dans l'air. Voilà. On peut presque parcourir les deux. Je vous montre un peu le. Et voler un petit peu, c'est sympa. Et on s'accroche légèrement au mur. Donc on voilà, donc en gros, il y a 4 contrôles qui sont à notre disposition. Et un combo avec les 2 attaques. Voilà, donc c'est un gameplay assez facile, mais qui a ses subtilités. Voilà, si on veut être un expert à tous les niveaux, il faut y aller, quoi. Ça pourrait être ouf, qui ramène des modes de jeu sur le multijoueur, il y a moyen de se marier. Il n'y a peut-être pas que du King of the Hill. C'est vrai. C'est en fonction de la map, peut-être. Possible. En même temps, quand on était devant, il y a marqué King of the Hill. Ouais, donc bon. Peut-être qu'on les débloque après. Voilà. Donc on n'est pas plus au courant que ça. Si jamais vous avez des infos, vous nous dites. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, je pense qu'il faut, que vous testiez ce jeu au moins, une fois. C'est vraiment très drôle. Surtout que c'est un petit jeu indépendant. Il coûte 8-9 € sur Steam. L'équipe vous le recommande. Voilà. Franchement. C'est ça. Il coûte vraiment pas cher et on peut y jouer jusqu'à 4. Et peut-être, on ne sait jamais, un mode online un jour, donc si vous n'avez pas d'amis pour y jouer, vous pourrez y jouer via internet. Donc voilà, donc Dustforce, une bonne petite bombe. D'ailleurs, il me fait penser un peu à un jeu. Non, bref, de toute façon, je l'ai pas en tête. Donc, oui, moi, ça me fait penser à Kid Caméléon. Oui, voilà. Mélangé à Alex Kid au pays des ninjas, quand ils montent sur les murs. Oui, okay, vrai. En mode rétro, hein, ça c'était des jeux sur Master System, Mega Drive. Hein, donc mais bon, c'était vraiment génial. Et pour ça aussi, à mon avis, que j'aime ce petit jeu. Tout à fait. Moi, je suis bien d'accord avec toi, mon petit Akenar. C'est une bonne bombasse. On va finir sur notre ami Punk. Voilà. Et bien, c'était vraiment cool. Beaucoup de poussière dans les yeux. Oui. Mais non, franchement, conquis, surpris. Parce que je n'avais pas entendu parler de ce jeu. Je l'ai découvert grâce à Akenar. Et puis, on espère que ça vous a plu. Tout à fait. Parce que en découvrant ce jeu, j'ai découvert qu'Atomium avait fait un petit test de jeu. Et allez voir Atomium qui fait aussi de très bons tests et son test est très intéressant. Exactement. Aussi. Et donc on a testé le multi, comme ça tu pourras le voir Atomium. Voilà, d'accord. Voilà. D'ailleurs on fera, ça se trouve, petit appel à se faire une partie tous les 4 avec Shaw et toi. Voilà. Bref. Donc voilà, clairement, Dustforce, un très très bon jeu. Oui. Je pense qu'il peut être grave fandard pour des petites soirées entre amis. Et puis on vous le recommande chaudement. Exactement. Bon, et bien, on va expliquer à vous dire. À très bientôt.